with it. So what you gonna do? Hit it. Elle a encore réussi à sortir d'ici pas une prison. Calme-toi. Les portes sont pas fermées à clé. C'est tout ce que vous avez trouvé à faire, l'attacher comme si c'était un chien. Vous avez une meilleure solution, docteur Ferrami. Voilà. C'est fini, non, ça y est. J'ai mal, hein. Attends, bouge pas. Ok, je peux plus faire un geste. Chut. Ces saletés de lanières ont déchiré ma chemise de nuit. C'est fini. C'est fini, maman. Je déteste cet hospice. Ta tante Rosaille est morte. Oui, je sais, maman. Mais tu dois rester ici, tu as failli faire brûler toute la maison. Je vais aller chez toi alors, hein? C'est une bonne idée. Je rangerai, je ferai le repassage, le ménage. Et puis le dimanche, on ira faire les courses comme quand t'étais petite. Ma maison n'est pas assez grande. Mais je travaille tout le temps. Toujours la même excuse. Moi aussi, je travaillais et j'arrivais à m'occuper de toi. Je t'ai pratiquement élevée toute seule et je peux te dire que t'étais pas facile. Toi non plus. Vous clonez des moutons et aussi des primates, ce qui veut dire que vous êtes en train de créer des chromosomes synthétiques. Donc vous allez bientôt arriver au génome humain. Mais dans quel but et quand cela va-t-il s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Parce que la science doit absolument être guidée par la morale. Logiquement, la connaissance conduit à la lumière, mais certaines connaissances conduisent aux ténèbres. Mais où est passée la télécommande? Ah, c'est Harvey. À chaque fois que ce mot vient ici, il laisse un véritable bazar. Ah, Ken, essayez de découvrir ce que mon fils a fait de la télécommande. Tout de suite, monsieur. Ne font pas partie. 180 millions de dollars. Preston, c'est 60 millions de dollars la part. Génético n'a pas été créé pour se faire des millions, mais seulement pour faire de la recherche. Ça fait maintenant 20 ans que tu fais de la recherche, alors moi je dis, on arrête et à nous les millions. Liquidons cette société avant que ces messieurs de chez Lanzmann ne se mettent à changer vraiment d'idée. Jim a absolument raison. Grâce à tout cet argent, je vais pouvoir enfin construire un laboratoire à l'université. Et Jim va bientôt lancer sa nouvelle campagne. Tu n'auras rien à craindre pour tes recherches. Je saurais t'aider, Preston. De toute façon, on a dépassé Génético. Non, non, je ne suis pas d'accord. T'es vraiment qu'un pauvre ringard, toi, hein. Pisseux qui n'a rien dans la tête ni ailleurs. C'est quand même dangereux de jouer avec la génétique. Vous voulez prendre la place de Dieu? Eh bien, je sais, en tant que généticien et en tant que père, que ce qui peut créer réellement l'être humain est sacré et qu'il n'y a... Et si ces gens apprenaient certaines choses? Parce qu'avant de nous faire un chèque, il faudra bien leur montrer nos dossiers. Tu vas te taire, oui. J'ai dit on vend et c'est tout. Jim a raison. C'est vraiment trop beau, il faut pas laisser tomber. Et si jamais ils découvrent toutes ces... Ça s'est passé il y a très longtemps maintenant. Si la justice s'en mêle, on y laissera des millions de dollars. Tu te battrais contre des procureurs aussi spécialisés qu'efficaces et Berry passera la télévision pour... Oh, veux-tu arrêter, s'il te plaît? Ça n'arrivera pas. Lanzmann a dit qu'il annoncerait le rachat dans une semaine à partir de maintenant. Ces gens-là ne trouveront rien en si peu de temps. Tu en es vraiment sûr? Pour 60 millions de dollars, je parierais ma vie, messieurs. À t'entendre, on dirait que je peux débloquer tout l'argent que je veux. C'est toi qui es à la tête de la bibliothèque.
20 000, ça fait un gros paquet. Jack, je veux cette banque de données. Tout le monde veut quelque chose. Moi, j'ai un plafond à ne pas dépasser. Mes recherches sont très importantes. Si je trouve une base génétique au comportement criminel, je pourrais mettre le gène en évidence et un jour, peut-être empêcher un crime d'être commis. Out. C'était match. Peut-être la prochaine fois, Jenny. Excusez-moi, vous jouez comme une vraie pro. Et moi, je me débrouille. Un de ces quatre, on pourrait peut-être faire une partie. Si vous vous débrouillez, alors vous n'êtes pas au niveau. Ah oui. Alors, ça veut dire adieu les sashimi et une nuit d'amour torride. Lisa! Oui, oui, salut, d'accord. Salut! C'est dingue, ça. Il y a un petit jeune qui vient de me draguer. C'est vrai? Oh, et comment il était? Ça n'a aucune importance. Tu en es sûre? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'on devait boire un café. Oh, je suis désolée. Ma mère s'est encore sauvée de l'hospice. Oh. Rien de grave? Non. Ils l'ont retrouvée à 200 mètres de là. Oh, Seigneur. Tu sais, je déteste cet endroit. C'est horrible. Ça sent mauvais. C'est tous des irresponsables. Je sais, Jenny, mais t'avais pas le choix, alors. Et comment elle était? L'horreur. C'est dur de la voir dans cet état. Promets-moi de me tuer quand je serai comme ça. Oh, arrête, tu seras jamais Alzheimer, comme ça. C'est héréditaire, je te signale. Oui, et bientôt, ça va se guérir. En attendant, moi, je suis candidate. Tu commences à m'énerver. Alors tais-toi, sinon je te tape. Comme ça, tu pleuras pour quelque chose. Quelle heure il vient, ton Steve, je sais plus comment. Logan, à 6h. Il faut qu'on soit au labo vers 17h30. Oui, je crois qu'il sait pas ce qu'il attend, hein. Non, ça tu l'as dit. Ça te rend nerveuse? Oh, j'ai l'air nerveux, moi. Ouais, d'accord. Moi, je lui ai dit non, et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que vous savez pas ce que vous faites. Prenez-le. J'ai intérêt à avoir la cote avec vous. Merci.
Vous avez vu Lisa? Elle était avec le gars de la sécurité, ils sont où? Je sais pas. Je cherche mon ami, Lisa. Non, non, c'est pas lui. C'est l'autre garde, c'est pas celui-là. Et attendez, moi je suis le seul gardien de service aujourd'hui. Mais alors, qui c'est le type? Par là, par là. Où vous allez? Mon ami Lisa doit être encore dans les... Non, non, ne restez pas là, là. Vite, vite! De ce côté, de ce côté! Par là, une civière, vite! Lisa? Ça fait déjà une heure qu'elle attend. Je peux peut-être la conduire à l'hôpital. Désolé, vous devez attendre l'unité spéciale. Steve Logan. Il doit sûrement être au labo. Vas-y, toi. Moi, j'attendrai. Non, il n'est pas question que je te laisse seule. Viens. Je te conduis à l'hôpital. Non. Je veux rentrer chez moi, je t'en prie. Lisa, il faut que quelqu'un t'examine. Je vais rester avec toi, ça va très bien se passer. S'il te plaît, je veux rentrer chez moi, je t'en prie. Très bien. Que tu as... Rien, Jill. Non, Jenny. Ouais. Oh, il est tard, faut que je me sauve. Mmh.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être resté. Du coup, t'as raté Steve Logan ? Oh, ça fait rien, je vais lui demander si on peut se voir aujourd'hui. D'accord, et... moi, je lui ferai une prise de sang et je lancerai le test ADN cet après-midi. Il est hors de question que tu travailles. Avant tout, tu dois t'occuper de toi. Tu dois aller à l'hôpital et parler à la police. Non, attends. Je sais ce que je dois faire. Tu entends ? Oui ? Mademoiselle Hurston ? Oui ? Inspecteur Mitch Delaware de la brigade spéciale de Philadelphie. Comment ils ont fait pour me trouver ? Merci, Jenny. Ça, c'est génial. Est-ce que tu pourrais me laisser m'occuper de moi ? Non. Laissez-moi ficher le camp. Le violeur court toujours, Lisa. Faites voir votre badge. Bonjour, inspecteur. Voici Lisa Hoxton, docteur Ferrami. Nous travaillons ensemble. Je suis maître assistant à l'université et Lisa travaille au laboratoire comme technicienne. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je voudrais vous aider. Et moi, je voudrais oublier tout ça. Voici le téléphone d'un centre spécialisé. Mettez-le dans un tiroir. Il se peut qu'un jour vous appeliez. Vous voulez du café ? Il y a deux sortes de violeurs. Il y a celui qui donne rendez-vous. Et ce garçon a envie de saisir sa chance. Et la fille est trop saoule pour se défendre et il la viole. Mais par contre, celui qui viole au hasard est un cas différent. Il a un fantasme et il veut à tout prix l'assouvir. C'est celui-là que nous recherchons. Le feu, ce n'était pas un accident. Les conduits de ventilation ont été trafiqués de façon à ce que la fumée pénètre dans les douches. C'est d'abord la peur qui intéresse le violeur, et non pas l'acte sexuel. Et sa folie exulte grâce à la peur. Il adore quand une femme est terrorisée. Il avait une sorte de rictus sur les lèvres. Il a retiré son bandana et ça me faisait très peur. J'ai un programme qui devrait nous permettre de dresser son portrait robot. Vous voulez essayer ? Si ça vous met mal à l'aise, on arrête. Si vous tenez le coup, j'aurai au moins le portrait de l'homme qui vous a violé. C'est d'accord ? D'accord. Il est... de race blanche. Il a mon âge. Et ses cheveux sont bruns. Le nez droit et les yeux de couleur foncée. Comme ceci. Non, ses yeux étaient différents. Plus espacés. Oui. Comme ça. Bonjour. 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 Elle est toute géniale. Ah, Jenny. Génético a payé tes recherches. Génético a toujours tout payé jusqu'à maintenant, pourquoi ? Lanzmann rachèterait Génético, exploitant ainsi la mine d'or de l'ADN. Et alors ? Je dois m'inquiéter ? Je vais aller voir Berry. Il faut qu'il continue à verser tes subventions. Je peux le garder ? Bien sûr. Merci. Et toi, tu l'as remarqué aussi. C'est vrai. Tout le monde l'a remarqué, c'est vrai. Guitare. Oh,
dis donc, qu'est-ce que tu amassis? Et crois-moi, c'est tout du muscle. Viens. Dis-moi, t'es au courant qu'Hélène est enceinte? Non, c'est vrai. Et Boris et Cathy ont eu un autre petit garçon, ce qui doit faire 5 garçons, je crois. Ça te va bien travailler au FBI, toi qui as toujours aimé retrouver la trace de tout le monde? Et Will est toujours en Californie. Pas de mariage à signaler pour l'instant. Ouais, bon, d'accord. Je laisse couler. Alors, pourquoi tu m'as fait venir? Oh, écoute, il faut que tu m'aides. Je suis bloquée dans mes recherches. J'aimerais isoler des gènes confirmant ma thèse à propos des criminels. Oui, le gène du mauvais garçon, hein? Et tu veux savoir quoi? La thèse, c'est de vrais jumeaux élevés séparément, l'un est meurtrier, l'autre honnête. D'accord. Écoute, les vrais jumeaux ont les mêmes dentitions, électrocardiogramme et empreintes digitales. Alors j'ai décidé de créer ce programme de recherche médicale pour les comparaisons. Et j'ai essayé au hasard 2 rapports dentaires. Oui, et laisse-moi deviner, tu as trouvé de vrais jumeaux élevés séparément, l'un est meurtrier, l'autre honnête. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et tu as aussi deviné ce que j'aimerais avoir? Oui, des empreintes. Tu aimerais effectuer une recherche dans les fichiers du FBI. Tu veux bien demander à ton patron si c'est réalisable? Oh, Jenny, je te signale qu'on a plus de 20 millions de jeux d'empreintes. Ça va durer des jours et des jours. Non, non, tout ça est extrêmement rapide. Ça ne durera que quelques heures. Larry déteste qu'on se mette à fouiller dans tous les fichiers pendant la journée. Alors tu feras ça la nuit. Disons, ce soir. D'accord, je vais lui demander. Ouais, merci. Tu dis ça parce que tu es jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. Si, j'en suis sûre. C'est moi qui le veux. Non, ça c'est si, pas si, du tout. T'es un dizigot? Je suis un quoi? J'ai dit un dizigot. Un petit gigot? Non, dizigot, dizigote. Eux, c'est des monozygotes. Un spermatozoïde a fait des bisous à un œuf et l'œuf s'est divisé en deux. Quand 2 spermatozoïdes font des bisous à 2 œufs, ça fait des dizygotes comme moi et Sou. Vous êtes toujours habillés de la même façon? Je n'en sais rien, ne se connaissez pas. Quand on était bébé, on a été adopté par 2 familles différentes. Bonjour, docteur Ferrami. Bonjour, Elisabeth. Docteur Ferrami? Steve Logan. Jenny Ferrami. Je suis désolée pour hier. Pour m'avoir posé un lapin ou pour m'avoir envoyé balader au tennis? Je vous remercie tous pour votre participation à ces recherches. Alors je vais vous demander de suivre nos assistants qui vont vous conduire là où auront lieu les examens de la journée. Une fois encore, je vous remercie du fond du cœur. Vous devez sûrement vous demander ce que vous faites là. Oui, c'est-à-dire que l'assistant qui m'a appelé m'a dit que vous vouliez faire une étude et j'ai toujours été bon élève. Alors je me suis dit que vous vouliez évaluer mon QI. Non, ça concerne la criminalité. Ah, seulement je ne suis pas un criminel. Mais je le sais très bien. Je suis psychobiologiste. J'étudie les rapports existants entre les gènes et le comportement. Donc le gène de la criminalité, vous y croyez? Il n'y a peut-être pas un seul gène, mais je pense que c'est lié. En fait, c'est une affaire de chimie, tout ça. Et comment allez-vous le prouver? En étudiant de vrais jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Je compare leur empreinte ADN, je regarde s'il y a certaines différences, et ensuite, j'essaie d'établir des relations précises entre ces différences et leur comportement. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Venez, allons marcher. Très joli cet endroit. Oui. Écoutez, je ne sais pas par où commencer, alors je crois que je vais tout vous dire tout de suite. Je pense que vous avez un frère jumeau. Vous êtes sérieuse? Vous correspondez parfaitement, vous et un homme de votre âge, après les résultats de mon programme. Il s'appelle Dennis Pinker. Vos dentitions sont identiques jusqu'au bout des racines. Dennis Pinker. Et tout ça est basé sur ma dentition. Oui, je sais, ça peut avoir l'air insensé, mais... Non, mais... je suis sûre que mes parents ne m'auraient jamais menti au sujet de ce jumeau. Peut-être, oui, à moins qu'ils vous aient adopté. Non, attendez. Ma mère, c'est Lauren Logan.
Vous savez, dans les journaux, elle est toujours en première page. Et il est hors de question qu'elle m'ait caché ça. Elle a écrit un bouquin pour ceux qui pouvaient pas avoir d'enfants. Et elle, quand elle m'a eu moi, elle a aussi écrit un bouquin là-dessus. Si j'avais été adoptée, elle aurait écrit un bouquin pour le raconter. Ah. Elle, c'est une femme qui est au-devant de la scène. Mon père est colonel au Pentagone. C'est un gars très droit et jamais il m'aurait menti à ce sujet-là. Alors, vous finissez votre droit ? Vous me connaissez bien, hein ? Oui, ça c'est sûr. Oui, moi, j'arrivais jamais à parler à la maison, alors j'ai décidé que ça deviendrait mon boulot. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Enfin, je veux dire, le soi-disant jumeau. Meurtrier. Il est en prison en Virginie. Je vais aller le voir demain pour lui faire passer quelques examens comme ceux que vous passerez aujourd'hui. Vous êtes sérieuse ? Si les résultats ADN correspondent, vous êtes vraiment jumeau. Ted Ramsom m'a dit que vous aviez des questions à me poser. Ah oui, c'est à propos de financement. Barry, permettez-moi de vous présenter l'un de mes cobayes, Steve Logan. Comment allez-vous ? Bonjour. Comment allez-vous ? Je vous prie de m'excuser, c'est très très important. Oui, excusez-moi. Oui, Steve Logan. Ah, évidemment que j'en suis sûr, je viens de lui serrer la main. Il était avec Ferrami, qui fait ses recherches en criminologie. Oui, c'est ce que je vais essayer de savoir. Écoute, Preston, pas de panique. Téléphone à Jim et pas de panique. Non, ça n'a rien à voir. Ted Kaczynski et son frère ont été élevés dans le même environnement. Et un enfant trop nourri deviendra gros alors que ses parents sont maigres. Les deux frères ont vécu les mêmes expériences. Et pourtant, l'un est devenu poseur de bombes et l'autre un honnête citoyen qui l'a fait mettre en tôle. C'est bien une question de gêne, ça. Mozart n'aurait jamais écrit de concerto à l'âge de 3 ans s'il n'avait pas eu de piano. Monsieur Sloan. Hello. Pouvez-vous rapidement résumer ce que nous avons trouvé sur les jumeaux du Minnesota, je vous prie? Eh bien, on a trouvé que les vrais jumeaux élevés de façon séparée sont vraiment, vraiment identiques. Plus encore que des... Faux jumeaux élevés ensemble. Ça veut pas dire que la nature prime sur l'éducation. On peut écouter de la musique dans certaines familles, mais vous ne devenez pas les Pointer Sisters, ou les Jacksons, ou bien les Hansons, sans toutes sortes d'influences venant de votre environnement. Très juste. Certains parents possédant du charisme rendront leurs enfants conformes à un certain idéal, et certains parents abusifs en feront de véritables schizophrènes. Mais ce sont des cas extrêmes, tout ça. En général, l'éducation est le terreau dans lequel pousse la graine de la nature. Si le terreau est fertile, la graine pousse, et si le terreau est pauvre, la graine meurt. Mais le terreau ne peut pas changer la nature de la graine. Lisez Hammer et Copland pour jeudi, je vous prie. Docteur Ferrami, j'espère que vous m'avez pardonné. Pourquoi ? Je me suis conduit de façon ridicule tout à l'heure. J'ai pu réunir des fonds pour le laboratoire de recherche génétique et j'ai soudain réalisé que j'avais raboué un investisseur potentiel très important. Il est inutile de vous excuser, Barry. Permettez-moi de vous offrir un verre. Je dois aller au laboratoire. Jenny, s'il vous plaît. Je croyais que vous deviez me parler de financement, c'est ça ? Je sais que Genetico soutient plusieurs projets à l'université. Et dans le passé, il est arrivé qu'on me mette des bâtons dans les roues. Je suppose que les futurs repreneurs vont sûrement rejeter certains projets et je ne voudrais pas que le mien en fasse partie. Oh, ma chère, vous êtes la seule personne qui puisse présenter un vrai programme concernant la recherche génétique et le comportement criminel. Si vous trouvez un lien entre ces deux données, ça va changer le monde. Non, vos recherches ne risquent rien. S'il le faut, je les financerai moi-même. Je vous remercie beaucoup, Barry. Oh, ne me remerciez pas. Tout cela m'intéresse aussi. Je veux pouvoir me vanter d'être celui qui a découvert la merveilleuse et la brillante Jennifer Amy. Comment vont vos travaux ? Vraiment bien. J'ai enfin trouvé de vrais jumeaux élevés séparément. L'un est un meurtrier, l'autre pas. Ah. Le dernier étant celui que vous avez rencontré, vous savez, Steve Logan, tout à l'heure, dans la cour. Oui, bien sûr. J'espère que je ne l'ai pas effrayé. Non, pas du tout. Par contre, moi, je l'ai effrayé. Il ignorait qu'il avait un jumeau. Et où se trouve-t-il ? Il est en prison, Virginie. Ah, en Virginie. Et de quelle façon avez-vous retrouvé cet homme ? Grâce à sa dentition. J'ai créé un programme qui m'aide à faire des comparaisons. Ah,
Oui, bien sûr. Les vrais jumeaux ont les mêmes dentitions. C'est un excellent raisonnement, vraiment excellent. Avez-vous cherché dans d'autres directions? Non, pas encore, mais je le ferai bientôt. Vous me le ferez savoir. Oh, voyons, je sais garder un secret. Non. Non, je ne veux décevoir personne. Vous n'avez pas à vous inquiéter, il est impossible que vous me déceviez. Je vais au laboratoire. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas que vous vous sentiez gênée. Non, non, pas du tout. Je voudrais que vous sachiez que je suis avant tout votre mentor, votre confident et votre ami. C'est vous qui tenez le volant. Fait une bêtise? Non, non. Vous êtes encore là? Vous avez passé les tests? Un type très costaud a mesuré les lobes de mes oreilles. Pourquoi il a fait ça? Pour nos recherches. Hein? Alors c'est ça. La recherche. Il y a aussi le domaine psychologique. Vous avez rempli le questionnaire? Regardez, c'est ça que je préfère. Oh, bon sang de bon sang. Eh oui, en fait, c'est de la chimie, tout ça. J'ai vu ma mère et je lui ai tout dit. Elle était en colère? Non, non, ça l'a fait rire. Elle m'a dit que je n'avais pas été adoptée, qu'elle avait les rapports médicaux prouvant ma naissance et que je n'ai pas de jumeaux. Oh, vous savez, je crois qu'il n'y a qu'une façon pour que vous et Pinker puissiez l'être. Cela dit, c'est assez tiré par les cheveux. Des bébés échangés peu après la naissance, jolie théorie. Ah, je suis désolée. C'est vrai, j'avoue que si ma mère, si elle s'était vraiment défendue ou avait été en colère, c'est sûr que je me serais inquiétée, mais non, ça la fait rire. Je vous l'ai dit, elle ne pourrait rien me cacher. Merci de votre coopération. Je vous en prie. Et pour notre dîner? Non, attendez, vous me draguez là ou quoi? Ça vous étonne à ce point-là? Écoutez, je ne sors pas avec... Ah, vous voulez dire que vous ne sortez pas avec vos patients ou encore vos spécimens? Allez, quoi? Vivez dangereusement. Vous voulez que je conduise? Je préfère que vous me suiviez. D'accord. Lisa Hoxton. C'est impossible, ça ne peut pas être... D'après la description que Lisa a faite de son agresseur, c'est tout à fait possible, à mon avis. Où vous trouviez-vous hier après-midi entre 3h et 6h, monsieur? J'étais ici, j'étais en train d'attendre le docteur Ferrami près du labo.
Vous l'avez vu hier? Oui, au cours de tennis. Et vous savez également où il se trouvait au moment du viol? Non, mais ça ne peut pas être cet homme qui a fait ça. J'ai vu son profil psychologique et c'est impossible. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. On est tous morts, quoi! Jenny. Lisa. Dieu merci, tu as eu mon message. Je pourrais jamais faire ça, tout Lisa, seul. Ils ont arrêté Steve Logan. Quoi? Non, c'est la Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Vous m'avez dit qu'une amie pouvait m'aider. Ça y est, allons-y. Si vous dites quoi que ce soit pendant la procédure d'identification, je vous fais arrêter pour obstruction à l'enquête. Il avait une casquette de basketball. Donnez-leur les casquettes, je vous prie. Faudrait qu'il les retourne. Les casquettes, mettez-les à l'envers. Numéro 3. Tu en es sûre? Taisez-vous, docteur. Oui, Lisa, j'en suis sûre. Lisa, attendez, prenez toujours j'en le temps. J'en suis absolument sûre, mais je vous dis que c'est le numéro 3. C'est une belle soirée, mademoiselle Ferrami. En effet, monsieur Oliver. Vous êtes certaine que ça va? Oui. C'est idiot, j'ai laissé la lumière allumée. Ah. Alors, t'as eu la trouille, hein? Tu sais, tu devrais installer un truc anti-voleur. Il m'a fallu 10 secondes pour entrer ici. Et qu'est-ce que tu bricoles avec ma télé? Ben, t'as le câble, mais pas le satellite. Alors moi, je vais t'arranger ça. Quand est-ce que t'es sorti de prison? Ça fait 2 jours. Tu sais, j'ai gagné 3 ans cette fois, hein, pour bonne conduite. Oui, on va voir combien de temps ça va durer. Et dis, je suis venu voir ta mère, mais elle est plus à la maison. Elle est à Bella Vista. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 mois, elle a failli tout faire brûler de la cave au grenier. Elle doit être surveillée. Mais tante Rosa est morte là-bas et moi je déteste cet endroit. Alors qu'est-ce que t'attends? Prends-la chez toi, occupe-toi d'elle un peu pour une fois. D'accord, non, attends. Je suis sûr que t'as fait ce que tu veux. Chérie. Et si on sortait en ville tous les deux? Hein? Comme autrefois. Combien de temps tu vas rester? Juste le temps que je me remette sur pied. On sait bien tous les deux ce que ça veut dire. Ah, écoute, j'y peux rien, je suis comme ça. Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre. Quel con.
Apparemment, je suis pas vraiment le bienvenu. Alors, je m'en vais. Je suis fauché. T'aurais pas quelques billets de côté? J'ai dû vider mon compte épargne pour que maman puisse avoir une chambre pour elle seule. Non, laisse. Papa? Oui. T'auras qu'à dormir sur le sofa. Allô. Preston, je n'ai pas le temps. Quoi? Et l'enquête continue toujours en ce qui concerne le viol qui a eu lieu hier à l'université Revers. Les étudiants et les professeurs ont félicité la police pour l'arrestation du fils de la journaliste Lauren Logan. Steve Logan, 27 ans, a en effet été identifié en début de soirée par la victime. Nous vous informerons du déroulement de l'enquête dans les heures à venir. Merci, Ross. N'hésiterons pas à interrompre nos émissions s'il y a du nouveau. À présent, nous allons passer à la météo afin de connaître les prévisions pour la semaine. Oh Seigneur. T'es un salaud. T'es un fumier. Tu as battu. Et puis tu as violé et sodomisé cette assistante. C'est pas moi qui ai fait ça. La ferme, elle t'a identifié. Je te jure qu'on va te coffrer, mon salaud. Je voudrais voir un avocat. J'ai dit la ferme. Tu sais ce que ça coûte, ce genre d'amusement? Toute la vie. Et tu sais pourquoi t'auras droit à la perpétuité? Viol avec préméditation. Tu vas bien te marrer, je te le garantis. J'ai dit que je voulais voir un avocat, l'interrogatoire est fini. C'est moi qui déciderai quand ce sera fini. Tu vas avoir droit à un test ADN. Nous allons prouver que tu as violé cette fille. Le seul moyen dont tu disposes pour éviter la perpète, c'est de me convaincre que ça n'était pas prémédité. Alors, tu l'avais peut-être déjà vu, hein? Peut-être que tu l'avais jamais vu. Elle t'a plu? T'as voulu essayer d'aller plus loin, et puis ça a dérapé. Oh allez, parle quoi! Ni Lauren Logan, ni ton père au Patagone ne pourront rien y faire. Je représente ta seule chance, alors parle! Allez au diable. Vous vous croyez très fort, n'est-ce pas? Vous voulez que je cogne? T'es qu'un petit con. J'aurai ta peau. Adams ! Ouais ? Tu sais où est le malade mental qu'on a réussi à boucler ? Ouais, pourquoi ? Je viens de lui trouver un charmant compagnon. Tu vas l'adorer, ce type-là, mon coco. Son casier judiciaire est absolument vierge. Ça veut dire qu'il n'a jamais été pris, c'est tout. Lisa, toi et moi avons regardé les résultats des tests. Ses réponses sont loin d'être celles d'un violeur. Tu sais qu'on arrive toujours à déjouer ce genre de choses. Non, pas à ce point-là. Tu veux que je te dise? Tu ne veux pas croire qu'il m'a violée parce que ça bousillerait ta théorie. Steve Logan doit être un honnête citoyen et si c'est un criminel, tu retournes à la case départ. Tu es plus préoccupé par tes recherches que par moi. Ça s'est passé au cinéma Eldorado qui se trouve à Gwynnsburg.
projeté un film assez violent et Pinker est descendu dans les sous-sols. Il a flingué les circuits électriques. Tout le monde a paniqué et a cherché la sortie de secours. Pinker, lui, il était au 7e ciel. Il courait partout dans le noir, tout en tripotant les filles et... L'une d'elles a essayé de se défendre, mais ce fumier, il l'a étranglé. En général, les visites aux prisonniers se font à travers une grille. Et vous avez tellement insisté pour être dans la même pièce que lui que j'ai donné mon accord. Robinson restera tout de même avec vous. Bon, alors allez le chercher, voulez-vous? Oui, monsieur. J'espère que vous ne serez pas venu pour rien. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur. J'aime vraiment cet endroit. Lisa, tu es sûre que ça va aller? Oui. Parce que si ma théorie est exacte, ce garçon sera le même que celui qui t'a attaqué. Je peux lui faire la prise de sang. Non, ça va aller, Jenny. Vraiment, t'inquiète pas, ça va. Je peux rester, je t'assure. D'accord. Docteur Ferrami? Alors, ça gaz? Bien sûr. Et vous? Pas mal. Assieds-toi, Pinker. Merci d'avoir accepté de participer à cette étude. Ouais, je me sens assez nerveux parce que... j'ai été mis au trou pendant un sacré moment. Alors pour moi... sortir comme ça de la cellule, c'est vraiment une drôle d'expérience. Bonjour. Bonjour. Est-ce que quelqu'un vous a dit pourquoi nous sommes ici? Ah oui. Vous allez me donner votre petite culotte. Tu te calmes, Pinker. Monsieur Pinker, je vais juste vous faire une prise de sang et prendre quelques mensurations. Va falloir que je vous sorte mes affaires, là. Hé hey. En réalité, ce qui nous intéresse, ce sont les lobes de vos oreilles et non pas vos affaires. Voulez-vous lui passer les menottes? Bah, mais avec plaisir, madame. Cils dans l'œil. Vous me plaisez bien. Alors, il faut l'avion. C'est impossible. Je ne suis pas son patron, je ne dirige pas cette université. Alors, il faut la tuer tout de suite. Sinon, elle va finir par tout découvrir. Votre conférence de presse commence dans 5 minutes. Oui, je sais, j'y vais tout de suite. Ferrami n'a aucune idée de ce qu'elle risque de trouver. Et l'arrestation de Steve Logan devrait littéralement bloquer son programme. Cette affaire va mourir toute seule. Mais si elle continue. Dans ce cas, faudra trouver quelqu'un pour nous débarrasser d'elle. Oh, allons, de grâce. Si l'affaire éclate, on est foutus. Financièrement et professionnellement, notre travail n'aura servi à rien. À rien du tout. On ira en prison, on a la loi contre nous. Ils nous crucifieront rien que pour marquer le coup. Je déteste la violence, mais une certaine personne doit pouvoir nous en débarrasser. Tu as peut-être raison. Oui. Juste une dernière question, monsieur Pinker. Savez-vous si vous avez été adopté? Ça devrait pouvoir me servir d'excuse. Ma mère m'a reproché d'être comme je suis. Elle m'a reproché d'être né, et puis même d'être gémeaux, alors... Mais ça vient de plus loin que ça. Oui, moi, je pense être attaché à une certaine conscience. Le désert. Savez-vous si vous avez un jumeau? Oui, bien sûr. Et la vérité, c'est que c'est lui qui a attaqué la fille, pas moi. Moi, je suis innocent.
Je vais aller porter le sang dans la glacière. Le mec vous a sauté dessus, hein? Faut pas vous inquiéter, ils l'auront. Ils les ont toujours, tôt ou tard. Ça a été horrible, vous avez hurlé? Tu la fermes, Pinker. Ouvrez la grille. J'adore ça quand elles hurlent. M'avez toujours pas filé votre culotte. Pourquoi vous adorez quand elles hurlent, Pinker? Quoi, vous vous hurlez pas quand vous faites l'amour? Ça vous donne pas du plaisir quand vous... quand vous entrez en contact? Pourquoi vous aimez ça? Le combat? La peur? Robinson, en fait, il a peur des rats. Je déteste les rats, mais ils me font pas peur. Et le balèze qui se balade là, dans le coin, depuis tout à l'heure? Où ça? Où ça? Où est-ce que t'as vu un rat, toi? Ah, hé, viens voir là, toi. Tu tais. Enlève ta petite culotte, sinon je te charcute l'œil. Je te tiens. Enlève-la. C'est bien. Allez, plus vite. Je déteste les rats. C'est toi qui as amené cette saleté. C'est toi, petit salaud. Tu vas tout nettoyer. Va chercher ce qu'il faut. Si, si vous avez fini. Fini. Ouvrez la grille. Nous le savons, ça. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que je voulais pas vous mêler à cette histoire. Steve, tout va bien. Nous avons contacté Joe Hogan. Tu te souviens de lui? Je suis allé voir le responsable. La caution sera fixée demain. Tu seras libre pour le déjeuner. J'ignore ce qui s'est passé. Je suis désolé. Vous avez confiance en moi, n'est-ce pas? Oh, mais bien sûr, voyons. T'inquiète pas, mon fils. Ça va s'arranger. Nous t'aimons, Steve. Allez, on y va. La visite est terminée. J'ai lavé les couverts. Mais tu n'as aucune raison de faire ça. Faut bien que je me dévoue. Toi, t'es toujours en train de courir, ma fille. C'est drôle, je croyais que l'argenterie était rangée, là.
mauvaise journée. Tu travailles trop dur, chérie. Tu devrais laisser tes dossiers à ton bureau. Ma chère petite fille, t'aurais pu faire un métier sans risque comme coiffeuse, mais il a fallu que tu étudies les meurtriers. Pourquoi tu as épousé papa ? J'en sais rien du tout. Il était joli garçon. Tu savais que c'était un voleur quand tu sortais avec lui ? Oh non ! Mais je me souviens que je me posais des questions. Ça me faisait assez peur. Mais c'était aussi très excitant. Et puis tu es arrivée. Et puis plus rien n'a eu d'importance. Faut avouer qu'il n'était pas beaucoup à la maison. Non, pas souvent. Oh, vous êtes là, Madame Ferrami. Vous savez pas qu'on vous a cherché partout? Je déteste les visites des femmes de la paroisse. Elles jouent toute la comédie. Tu devrais aller t'allonger. Je ferai la vaisselle tout à l'heure. Je te le promets. C'est moi qui ai mis ce flacon au-dessus de la porte. Je voulais pas qu'on puisse entrer par surprise. C'est le sang de Pinker ? Oui. Heureusement que j'en ai prélevé beaucoup. Celui de Logan, tu l'as analysé ? C'est celui-là. Lisa, tu as passé une sale journée. Pourquoi tu ne rentres pas ? Ça va. Tu savais que Pinker était né un 7 septembre ? Et alors ? Alors, j'ai vérifié la date d'anniversaire de Logan. Le 25 août. Ouais. De vrais jumeaux nés à 2 semaines d'écart, l'accouchement a vraiment été long. C'est sûrement la date d'adoption, c'est une erreur. Souviens-toi, il n'y a pas eu d'adoption. Ton téléphone. Allô ? Oui, docteur Ferrami. Ah, de l'examineur. Vous savez, j'adore vos articles et j'aimerais beaucoup que vos confrères s'intéressent aussi à nous. Alors, que puis-je pour vous? Larry est-il d'accord pour la recherche des empreintes? Mon programme de recherche? Mais qui vous a parlé de ça? Envoyez réponse. Non, c'est l'ordinateur qui trie les dossiers. Il m'indique toutes les possibilités et puis ensuite j'essaie de voir si ces personnes sont véritables. Oh, c'est ridicule! Pourquoi je violerais la vie privée des gens? D'où tenez-vous cette information? Attendez, mais... Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Mais de quel droit m'accusez-vous? Allô? Allô? Résidence Jones? Un moment, je vous prie. Professeur Jones, c'est Monsieur Obel, le président de l'université. Bonjour, Maurice. Non, j'ai pas encore regardé. Oui, c'est terrible. Salut, sac d'os. Dans 2 minutes, tu auras des toasts pour manger avec tes œufs. Qu'est-ce que tu fais? Je répare ton toaster. Et t'as vu ta porte d'entrée? J'ai mis un verrou incrochetable. Et je t'ai aussi branché sur le satellite. Des fois que t'en aies envie. T'étais pas forcé de faire ça? Oh, mais c'est un plaisir pour moi. J'ai vu maman hier soir. Faudrait vraiment qu'elle sorte de cet endroit. Ouais, je me suis dit, on pourrait emprunter de l'argent. On pourrait?
Pourquoi t'irais pas chercher du boulot? Ah mais j'essaie, j'ai contacté oncle Mike hier, et il m'a dit peut-être la semaine prochaine. Je t'en prie, papa, arrête tes salades. Tout ce que tu trouves à faire, c'est rester allongé sur le sofa en attendant un casse. Et quand tu l'auras fait, tu vas tirer tout droit vers Atlantic City, où tu seras arrêté, tu repartiras en tôle. Eh, non, attends. Je t'ai préparé un joli petit déjeuner, et puis j'essaye de me rendre utile. Alors, t'as peut-être des raisons d'être en colère, Jenny, mais je suis toujours ton père, je te signale. Bon. Je sais pas ce que c'est que d'avoir un père. J'ai eu une espèce de rigolo qui se montrait de temps en temps les poches pleines de jouets, de sucreries et de promesses. Et ensuite, il disparaissait à toute vitesse. Et j'entendais dire par les élèves de l'école que t'étais reparti en tôle. Allô? Non, je suis rien. C'est absolument ridicule. Je vous ai déjà dit que je ne fais... Et moi, je ne vais pas vous l'expliquer sans voix. Je peux finir mes phrases? Je veux que vous signiez ce communiqué. Non, je ne fais absolument rien d'immoral. Je crois que le mieux, c'est de se montrer extrêmement soudé. Eux, ils ont l'argent, à nous de les faire signer, c'est aussi simple que ça. Excusez-moi, Billy, je crois que... vous avez une minute. Ah non, nous allons à une réunion du conseil, ensuite nous déjeunons, peut-être non, vers les 4 heures. Non, ce sera trop tard, je vous en prie. D'accord, d'accord. Commencez sans moi, ce ne sera pas long. Alors comment ça? Lisez ça. Il n'a rien voulu entendre, il veut que je signe ce communiqué de presse. L'université présente ses excuses, etc., etc., et décide d'arrêter le programme en question. Mais c'est la fin de vos recherches? Oui, en effet. Parce qu'Obel a surtout peur de la mauvaise publicité. Oui, évidemment, il est le président de cette université. Mais c'est aussi un idiot. Vous savez, mes recherches, je l'ai lui expliqué 3 fois et c'est à peine s'il m'a écouté. Et comment le type de l'examineur a-t-il pu être au courant de mon travail? Une personne cherche à saboter mes recherches. C'est apparemment ça. Mais pourquoi? Eh bien, je pense que c'est évident. La plupart des gens savent que Genetico va être pris. Certaines personnes ont peur de ce qui va se passer. Vous-même craignez pour votre financement il y a 2 jours. Oui, mais je n'essaierai pas de saboter leur travail. Je crois que vous seriez surprise de voir ce que font certaines personnes pour protéger leur travail. Vous avez refusé de signer. Je ne fais rien qui puisse aller contre une certaine éthique. Et je pense que j'arriverai bientôt à un résultat. Ah, Jenny. Je vais tâcher d'arranger ça. Merci. C'est vous qui tenez le volant. Monsieur le super journaliste. Une déclaration. Très bien. Il est hors de question que je mette fin à mes recherches. Je n'ai fait de tort à personne. Revers a tort de vouloir me mettre à la porte car j'ai signé un contrat. Et je vais me défendre, croyez-moi. Fin de la déclaration. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe?
Ça va pas? Vous êtes sûre que ça va, mademoiselle Ferrami? Oui, monsieur Oliver, merci. Ce truc-là, ça vous brûle les yeux, vous savez? Ça brûle les yeux? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis venu vous dire que j'ai pas violé Lisa Hoxton. Lisa est mon amie, elle n'a pas menti. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je voulais juste vous le dire, c'est tout. Steve! Larry est-il d'accord pour la recherche des empreintes? Oh, c'est vous, Ralph? Bonsoir, professeur. Tout va bien? Oui, disons que je savais que le docteur Ferrami était sorti, alors quand j'ai vu la porte entrouverte... Ah oui, je sais, elle m'a prévenu que vous alliez passer, mais je refermerai la porte en sortant. Entendu, alors bonsoir. Bonsoir. Jim? Non, attends, écoute. Elle fait des recherches dans les fichiers d'empreintes du FBI. Oui. Elle est là, ce soir. Non, écoute-moi, il faut qu'on y mette fin. Oui, appelle-le. Vous devez être heureux de savoir que vos parents ont payé la caution. Ils me font confiance. C'est normal, non? Parlez-moi de Pinker. Il me ressemble réellement? Tout à fait, oui. Il a la même couleur de cheveux que vous, sauf que les siens sont un peu plus longs. Même carrure. Oui, j'ai réfléchi à propos de... du mauvais garçon, votre grande théorie. Et comment serait la vie si on supprimait la violence, les pulsions? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Le meurtre de sang-froid ou le meurtre prémédité? C'est mal, ça, hein? Absolument. Mais... supposons que le meurtrier soit une femme battue. Supposons que la victime soit son salopard de mari. Si elle est encore là, c'est parce qu'elle l'a tué. Sa violence lui a permis de se sauver. Et ça, c'est une bonne chose. Très juste. Mais si nous supprimons totalement toute forme de violence, le mari ne frappera jamais sa femme. J'ai pas raison? Ouais, en effet. Et voilà. Je crois que je vais rentrer chez moi, Leta. D'accord. Je voudrais vraiment être sûr que Pinker est mon jumeau. Vous croyez que les tests ADN sont prêts? Alors, piste 1, c'est votre sang. Piste 2, le contrôle, celui de Lisa ou le mien. Et la 3, c'est le sang de Pinker. Identique à 100%. Alors, ils m'ont menti. Pourquoi mes parents m'auraient-ils menti? Peut-être qu'ils sont sincères. Ah, ils ont carrément oublié que j'ai été adoptée et ils ont aussi oublié que j'avais un frère jumeau. Votre mère a eu des problèmes de fécondation? Exact. Est-ce que vous savez si les docteurs lui ont prescrit un traitement? Oui, à la clinique Aventine, qui est à Baltimore. Ça aussi, elle en a parlé dans son bouquin. Grâce à ça, ils ont triplé leur clientèle. Je me demande si dans cette clientèle, il y avait Madame Pinker. Minsky vient de m'appeler. Minsky? Dick Minsky, oui, d'Aventine. Il a dit qu'une femme voulait voir les fichiers des patients qui étaient venus là, il y a 27 ans. Dieu, mais comment est-elle arrivée à Aventine? J'en sais rien.
Donnez-moi un scotch. Qu'est-ce que tu bois, Preston? De l'arsenic. Tu t'inquiètes pour rien. J'ai contacté mes amis du FBI. Ils n'alimentent plus du tout le programme de recherche de Madame Ferrari. Elle est au courant pour Aventine. Quoi? Tu avais dit que le communiqué de presse allait mettre fin à ces travaux. Oui, je le croyais aussi, je t'assure que c'est ce que je croyais. Désolé d'être en retard. Bonjour, Michael. Jim, je te présente Michael Madigan. C'est lui qui dirige les affaires de Landsman aux États-Unis. Ah, enchanté de vous rencontrer. Ah, sénateur, j'attendais impatiemment cet instant. J'espère de tout cœur que mes enquêteurs ne vous font pas trop souffrir, cher monsieur Preston. Oh non, pas du tout, c'est un plaisir. Je vais vous chercher un verre. Non, j'y vais moi-même. Il faut que j'aille accrocher ça. Et Minsky, qu'a-t-il dit? Elle n'a parlé qu'à l'administrateur. Il a dit qu'ils avaient toujours les fichiers médicaux et qu'il les lui montrerait sans discuter. Elle va y aller demain matin. Faut absolument l'en empêcher. Si elle découvre certaines choses, chez Landsman, ils finiront par être au courant eux aussi. Et cela bousillerait tous nos espoirs. Tu avais dit que tu t'occuperais de ça. Fais de mon mieux, je te signale. C'est pas assez. C'est pas suffisant. Alors, de quoi parliez-vous? Bonsoir, Oncle Jim. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toi, n'est-ce pas, Harvey? C'est toi qui as attaqué cette fille, n'est-ce pas? Allez, nous le savons, toi et moi. Vous voulez que je vous raconte une belle histoire? Non, je t'appelle pour te dire qu'une femme va bientôt croiser ton chemin. Et s'il pouvait lui arriver la même chose, ou pire encore, je pense que cela résoudrait beaucoup de problèmes. Quoi? Je comprends pas. Tu vas comprendre. Écoute bien. Qui est-ce? Qui est-ce? Jenny, ouvre cette porte. Ils m'ont viré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? À 3h ce matin. Larry m'a appelé. Ça faisait 5 ans que je travaillais comme une bête, et maintenant me voilà virée simplement à cause de ta saloperie de programme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jenny? Je ne comprends pas, Larry n'était pas obligé de le faire, il n'avait qu'à le dire s'il n'était pas d'accord avec nous. Tu as reçu mon email? Non. Larry a dit que c'est ok pour le programme, et je t'ai envoyé tout ça hier soir, il y avait tous les résultats. Attends un peu, Guida. Si Larry était d'accord, pourquoi il t'a virée? Mais parce qu'une espèce de grosse huile a dû lui dire pas question de ça, et quand je lui ai expliqué que c'était trop tard, il est devenu fou. Quelqu'un devait se faire éjecter, alors il va limiter que ce soit moi que lui. Oh non, Kita. Je suis vraiment désolée. Mais peut-être que je pourrais aller lui parler. Non, arrête. J'avoue ne rien comprendre à cette histoire, mais t'as dû mettre les pieds où il fallait pas. Non, très peu de gens sont vraiment au courant de ce programme de recherche. Il n'y a que toi, Lisa et Barry qu'ils sachiez. Ils savent que j'ai les résultats? Hier, peut-être que Larry aurait pu me le demander avant de me virer. Hé, tu as lu l'examineur? Quelqu'un est venu ici. Je laisse toujours ma souris contre le clavier. Un professeur de l'université de Revers vient de s'attaquer à la vie privée des gens en consultant certains dossiers. C'est ridicule. Ces journalistes écrivent n'importe quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire pour cet article? Jenny? T'as lu les messages que nous a envoyés Obel? Hein? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le rappeler, Obel? Jenny, je te signale que c'est le président de cette université. Mais où est-ce que tu vas? À Baltimore. Voilà votre dossier, il faudrait le remplir. Vous avez... Venez, madame. Vous êtes sûre de nous l'avoir envoyé? Parce que l'administration n'a rien marqué. Vous avez vu ce livre-là? Le mieux, c'est de nous en faire parvenir. Docteur Ferrami? Dick Minsky, comment allez-vous?
C'est Monsieur Ringwood que j'ai eu au téléphone hier soir. Un point de gagné. Peter est souffrant aujourd'hui, mais il m'a parlé de vous. Mon bureau est de ce côté. Écoutez, je suis désolée. Je ne pourrai rien faire tant que le dossier sera incomplet. Logan Loren et Pinkley. Pinker. Charlotte Pinker. Un point de gagné. Quel est votre rôle ici, monsieur Minsky? Dick, directeur général. C'est curieux, ça. L'ordinateur n'a aucun dossier concernant ces noms. Vous êtes sûr de ne pas faire l'erreur? Oui. Bon, très bien. On va essayer autrement. Quand sont-ils entrés dans cette clinique? Cela fait 27 ans. Je suis désolé, nous ne gardons pas les dossiers remontant à cette époque. Au bout de 20 ans, nous détruisons les fichiers. J'ai bien peur que vous ne soyez venu pour rien. Pourquoi M. Ringwood ne m'a pas dit ça hier soir? Peut-être n'avez-vous pas parlé des dates? Si, j'en suis certaine. Peut-être n'a-t-il pas entendu? Peut-être que vous mentez. Je n'ai plus de temps à vous accorder. Un point de gagné. Faites ici. Je voulais savoir. J'ai perdu mon temps. Ils prétendent avoir détruit les dossiers. Il y avait sûrement quelque chose, sinon ils n'auraient rien caché. Oh, c'est pas vrai. Quoi? La clinique appartient à Genetico. Et alors? Si un scandale quelconque était mis à jour, ça risquerait de compromettre leur achat. Berry est sûrement derrière cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? La fécondation in vitro. Avantine a été pionnière dans cette technique. En laboratoire, vous prélevez du sperme du père et vous le mettez en présence de l'œuf de la mère, puis vous introduisez l'œuf fécondé dans l'utérus de la mère. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont fait à votre mère et Madame Pinker. Vous voulez dire que je suis un bébé éprouvé? Les médecins ont sûrement introduit dans votre mère et dans Madame Pinker un œuf fécondé qui s'était divisé en deux. C'est ainsi que Dennis et vous avez deux mères différentes, que vous venez de deux endroits différents, que vous n'êtes pas nés à la même date et que vous êtes jumeaux malgré tout. Allons-nous-en d'ici. Alors, ce ne sont pas mes vrais parents. Je n'en sais rien, Steve. Ce que je dis, c'est que Pinker et vous venez de la même source. Ce sont peut-être vos parents. Oui, ou les siens, ou ceux de quelqu'un d'autre. Ça va aller? Oui. Restez sur cette file. Je crois que nous allons un peu trop vite. Non, je ne crois pas. Steve, non, arrêtez. Steve, j'ai dit non. Ça suffit. Vous avez la trouille? Non, je refuse, c'est tout. Vous allez faire exactement ce que je dis. Sinon, je vous démolis la tête, vous entendez? Vous voulez jouer, hein? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous lâcherai pas! On va se marrer! Ah!
plaît, vous savez où je peux téléphoner? T'inquiète pas, je vais revenir tout de suite, chérie. Mais ils sont complètement fous. C'est ce qui s'est passé. Human John, là. Un petit salopard. Mais pourquoi vous me J'aurais dites dû ça? Écouter Lisa. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Ferrami? Il a essayé de me tuer à Baltimore. Baltimore? Je suis pas allé à Baltimore. Eh bien, vous raconterez ça à la police. Mademoiselle Ferrami, je ne voudrais pas avoir l'air, mais ce jeune homme est resté assis ici sur cet escalier depuis plus de 2 heures. Alors, s'il vient de Baltimore, il a dû prendre le Concorde. Qu'est-ce que vous faites ici? La police a eu le résultat des examens. Mon ADN est le même que celui du violeur. Jenny, attendez! Si j'avais violé Lisa et si je vous avais agressé, vous croyez vraiment que je serais ici? Vous croyez vraiment que je vous dirais ça? Réfléchissez! Je ne vous ai pas agressé. Alors, qui était-ce? Pinker! Hey, Pinker! T'es allé à Baltimore aujourd'hui? Il est là? D'accord, monsieur. Pardon de vous avoir dérangé. Au revoir. Pinker est toujours en prison. Je veux que vous partiez. Je vous jure que je ne vous ai pas agressé, si que je ne suis... vous demande de partir. Qu'avez-vous découvert à la clinique Aventine? Je vous rappellerai, je vous le promets. Vous avez vu les rapports médicaux sur ma mère? Non! Savez-vous quel genre de traitement elle a suivi? Une thérapie? Des piqûres d'hormones? J'en sais rien, c'est dans son bouquin. Pourquoi? Je crois qu'ils se sont secrètement servis de votre mère et de Madame Pinker pour faire des expériences in vitro. Ils ont fécondé un œuf qui s'est divisé en deux, et ils ont introduit le premier dans Madame Pinker et le second dans votre mère. Mais est-ce qu'il arrive aussi qu'un œuf se divise en trois? Non, enfin si... Enfin oui, mais les triplés, c'est extrêmement rare. Oui, mais c'est possible. Pinker est en prison, et moi je suis ici. Vous avez été agressé par quelqu'un qui est identique à nous, ce serait une explication. Le FBI, j'ai oublié la disquette. Le FBI? Ferrami. Oh, Ralph, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Non, je suis désolé. Ils ont dit que vous étiez viré. J'ai oublié des disquettes. Il faut que je les reprenne. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. S'il vous plaît, où allez-vous?
Je viens voir Barrington Jones. Il n'est pas libre de toute la journée. Vous pouvez peut-être prendre rendez-vous pour demain. Non, mademoiselle! C'est vous qui avez tout raconté à l'examineur, hein? Mais de quoi vous parlez? Mais c'est vous qui m'avez fait virer! J'aurais dû me douter que vous aviez embrouillé Obel avec toutes vos manigances. Non, c'est pas libre! Je ne crois pas que ce soit vraiment l'endroit idéal pour cette discussion. Vous avez fait des expériences sur Lorraine Logan et sur Charlotte Pinker sans avoir leur permission. Elles vous demandaient de l'aide et vous vous êtes servi d'elles comme des rats de laboratoire. Quand les gens seront tout mais ça, je vous garantis... Vous pensez réellement que quelqu'un va vous croire? Vous, une femme instable, publiquement déshonorée et virée pour comportement immoral? Ma chère Jenny, je travaillais déjà sur les gènes quand vous n'étiez encore qu'une gamine. C'est moi qui ai écrit vos manuels. J'ai ouvert la porte à la génétique moderne. Je suis désolé. Vous ne pouvez rien contre moi. Maman, c'est moi, Jenny, je suis là. Regarde, c'est moi. Ah, fais quelque chose, Jenny. J'ai tout essayé, mais ça sert à rien du tout, alors. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'arrive pas à la calmer. Oh, de quel droit as-tu osé voler ta propre fille? Laisse-la tranquille. Et laisse-moi tranquille, tu veux? Ne parle pas comme ça à ton père, ma chérie. Tu sais, moi, je t'ai pas élevée pour que tu lui manques de respect. Je voudrais que tu t'excuses. C'est hors de question. Oh. Mon Dieu, je suis désolée, puis... Elle est comme toi, tu vois. Mais elle a hérité de ton magnifique petit sourire. T'en vas pas. Je voudrais que tu restes. Jenny, mets la table, s'il te plaît. Elle est comme ça depuis combien de temps? J'en sais rien, environ un an. Allez, 20 ans. Ah, durant toute ma chaîne de vie, j'ai été bon qu'à une chose. Une seule chose. J'arrive à m'introduire dans n'importe quel endroit, je repère tout en une journée. Je débranche le système de sécurité, je vide toute la boutique et ça fait déjà 2 jours que je suis parti quand on découvre enfin qu'il y a eu un vol. Mais le dernier coup, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai eu peur. C'est pour ça que je t'ai tout volé. Mais je vais me racheter, Jenny, je te le jure. À partir de maintenant, je vais filer droit. Hé, hey, pas si vite, attends. Tu me dois quelque chose. Comment tu entrais ici la nuit? J'utilisais une carte magnétique. On peut passer par derrière? Oui, suis-moi. Éclairé comme un Broadway ici. Attends, viens. Tiens 5 secondes. Peut-être qu'on a eu tort de venir ici. Tu veux reprendre ta disquette, non? Oui, mais si on t'attrape, tu vas retourner en prison. Et alors? C'est bien ce que tu voulais il y a une heure, non? Faut croire que j'ai changé d'avis. Tu vois, avec ça, le système d'alarme va avoir une grosse migraine. Attends. Et voilà. Entre. Oui. Là.
là. D'accord. Attention. Ça essaie toutes les combinaisons possibles. C'est génial, la technologie. Où est-ce que tu as eu cet appareil? Par correspondance. La voilà. Qu'est-ce que tu fais? Faut sauver! Je dois imprimer la liste. Non, 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 non! Tu le feras à la maison. Je te signale qu'on m'a volé mon ordinateur. La voiture. Grouille-toi. D'accord. Hé hey hé hey. Excusez-moi, quelqu'un a déclenché l'alarme. Oui, on a aussi brisé un carreau, ça venait de ce côté. Mais vous êtes le docteur Ferrami? Oui, c'est moi. Bonne soirée. Mais vous ne devez plus venir ici. Votre passe doit être en service. Comment êtes-vous entré ici? Papa! Sécurité! Besoin de renfort devant le bâtiment des sciences! Hé, cocotte! On fait une balade? Docteur Ferrami! Allez, démarre! Arrêtez-vous! Wayne Statner. C'est lui qui a dû vous agresser, vous, Elisa. Peut-être, c'est à New York, ce numéro. On va essayer. C'est Wayne, je suis sorti. Raccrochez pas, je déteste ça. Laissez votre message, je vous rappellerai. Alors, on dirait que c'est vous. Je suis mort, Jenny. Tu veux me donner les clés de notre maison? Il n'est pas question que tu y ailles, c'est toujours le bazar depuis l'incendie. Bien, alors je nettoierai un peu et pendant ce temps-là, je me tiendrai pinard. Hein? Tu sais, je vais retaper le vieux salon pour ta mère, comme ça, elle n'aura plus besoin de monter l'escalier pour aller se coucher, qu'est-ce que t'en dis? Hé ? Quoi ? Merci, papa. Bonne nuit, monsieur. Salut. Vous aussi, vous êtes pareil. Qui ça? Vous et votre père. Vous avez le même genre de comportement. C'est un voyou et moi je suis psychobiologiste. Je sais, mais dans un sens, vous êtes identiques. Ce qui m'a toujours ennuyé, c'est que moi je n'ai rien à voir avec mes parents, ni ma mère, ni mon père. Je ne leur ressemble pas. Nous n'avons pas les mêmes goûts, nous ne rions pas pour les mêmes choses, nous sommes vraiment très différents. Oui, mais ce genre de choses saute parfois une génération. Ce n'est pas une raison pour qu'ils ne soient pas vos parents. Oh, j'en sais rien, c'est peut-être les Statner ou les Pinker. Ou quelqu'un d'autre. C'est ça. Je veux dire, c'est de là que je tiens mon propre caractère
Est-ce que mon vrai père est comme ça aussi? Ça vient de la famille, ça? Ou alors, est-ce que je vais finir comme Wayne Statner ou Pinker? Tu m'as quoi? Je t'ai laissé une chance. Tu as échoué, il a bien fallu que je m'en occupe. De quel droit? De quel droit l'as-tu mêlé à cela? Ça fait longtemps qu'il y est mêlé. Il a tout à fait raison. Ferme! Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi l'y as-tu mêlé? Je t'avais dit de te débarrasser de cette fille, mais au lieu de ça, toi, tu t'es contenté de l'acheter dehors. Ça suffit, ça ne nous sert à rien de nous sauter à la gorge. Je suis maintenant à ça de pouvoir devenir leader de la majorité. Il n'est pas question que cette histoire vienne tout gâcher. Je ne vais pas tout perdre à cause de ce que j'ai dû faire sous tes ordres il y a quelques années. D'ailleurs, tout ça, c'est ton échec. C'est toi qui as choisi les patients. C'est toi qui savais que le sperme du donneur était hyper agressif. Tu voulais des petits soldats. Tu nous as donné des meurtriers. Je pense qu'on devrait se débarrasser de tous ces salauds avant qu'ils... Écoutez-moi. Lanzmann va annoncer notre rachat dans deux jours. Donc la seule solution, c'est que Ferami nous foute la paix jusqu'à ce qu'on ait encaissé l'argent. 180 millions de dollars, ça achète beaucoup de silence. Si tu touches à l'un d'eux, je te jure devant... Ne me provoque pas, Berry. Je ne suis pas aussi honnête que ça. Non, pas Steve. Wayne Statner. Leurs empreintes sont absolument identiques et ça n'arrive qu'avec de vrais jumeaux. J'ai déjà son adresse à New York, il suffirait de le voir et on saurait si c'est lui le violeur. Écoutez, je ne sais pas si Logan est votre petit ami ou encore une sorte de projet scientifique, mais vous protégez systématiquement ce jeune homme, c'est un criminel. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait mettre en prison que vous avez... Il a agressé un enfant avec une clé anglaise il y a 12 ans de ça environ. Tentative de meurtre, 6 mois avec sursis, ça aide quand votre père est au Patagone. Non, je connais les résultats des tests et son profil psychologique, il a du caractère, c'est vrai. Caractère, je vous signale qu'il a failli tuer un enfant. Logan est un meurtre en puissance. C'est un bagarreur et aussi un violeur. S'il s'attaque à vous, docteur, faudra pas vous plaindre. Je ne savais pas comment le dire. J'ai failli tuer quelqu'un, ça aurait largement suffi. Non, attendez. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez ce qui s'est passé? Première chose, j'étais au lycée, je faisais des études. D'accord? Et puis il y a eu ce gars là qui me lâchait pas une seconde. Au lycée et hors du lycée. Un jour, il m'a vraiment poussé à bout et j'ai cogné. Je savais pas que c'était ça qu'il attendait. Il a atterri sur son sac à dos. Et comme par hasard, il avait une sorte de clé anglaise. Il a essayé de me la lancer en pleine tête. Alors moi, j'ai craqué. Je suis devenu dingue. Je sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais... Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il était étendu là, par terre, et que moi, j'étais au-dessus de lui avec cette fichue clé anglaise dans la main et qu'il y avait du sang partout. Et ça, ça fait un sacré bout de temps. J'étais au lycée. J'étais un môme. Et je sais que c'est terminé. Vous oubliez l'inspecteur que vous avez failli étrangler il y a 48 heures. C'est Mitch qui me l'a dit. Rien n'est terminé, Steve. Que vous voulez? Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez trouvé Statner en fouillant les fichiers du FBI? Si, je vous l'ai dit. Non, c'est faux. Je l'ai su grâce à Steve Logan qui m'a harcelé pendant plus de 5 heures pour savoir si Wayne Statner était fiché chez nous. Et alors? Il est fiché, ce Statner? Oui et non. Les charges ont été retirées. De quoi il était accusé? De viol. Il suffirait d'aller le voir et on saurait tout de suite si c'est le jumeau de Steve et de Pinker. Attendez, ce n'est pas parce qu'on l'aura vu qu'on aura réglé l'enquête. Même s'il est identique aux autres, d'autres problèmes vont surgir. Faudra bien prouver que c'est lui et peut-être qu'il aura un alibi. Nous prenons le train pour New York, juste le temps de me changer. Et attendez un peu, pourquoi vous dites « nous » ? Statner, le même qui possède toutes les boîtes de nuit? Ouais, il a du fric, ce sale petit fils de pute.
Vous savez, ces boîtes sont ouvertes toute la nuit. Si ça se trouve, il ne sera pas encore rentré. C'est qui, putain de merde ? Oui, bonjour à vous aussi, monsieur. C'est la police. Ouvrez la porte. Vous pouvez présenter votre badge ou une pièce d'identité devant la caméra ? Un peu tôt pour faire une partie. Wayne Statner, inspecteur Rice de la police de New York, nous aimerions vous poser quelques petites questions. Je suis toujours content de donner un coup de main à la police. Venez, je vous en prie. Vous êtes teint les cheveux ? Monsieur Statner, inspecteur Mitch Delaware de la police de Philadelphie. Oh, il y a des crimes dans ce patelin-là ? Qui l'aurait cru ? Pouvez-vous me dire où vous étiez l'après-midi du 19 entre 15h et 18h ? Le 19. Tribeca, ouverture du Fly, madame. Je vous demande pardon. Le Fly, mon nouveau nightclub. Les journalistes de New York Today ont couvert ça en direct. Vous voulez voir ? Et qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Nous avons deux nouvelles attractions qui vont venir bientôt, alors vous restez branchés, hein ? Oui ! Vous restez avec nous ! Il faudra qu'on vérifie cette cassette. Je peux la voir, je vous prie ? Oui, bien sûr. J'ai fait plein de copies. J'en ai qui sont bien meilleures que ça. Alors de quoi est-ce que je suis censé être accusé ? De viol, monsieur. Ouh ! Non, pas moi. Non, moi je ne viole pas. Toutes mes victimes sont consentantes. Quand vous êtes-vous teint en blond ? Eh bien, je crois que je me teins les cheveux depuis que j'ai 15 ans. Vous avez des frères ou des sœurs ? Non, et vous ? Votre père travaillait dans l'armée quand vous êtes venu au monde ? Docteur Ferrami. Oui, oui, il était pilote instructeur à Fort Bragg. Et votre mère n'arrivait pas à avoir d'enfant ? Merci de nous avoir reçus, monsieur Statner. A-t-elle reçu un traitement à la clinique Aventine ? Comment vous savez ça ? Le docteur Ferrami est une scientifique que la police de Philadelphie a gracieusement autorisée à traîner autour d'une affaire officielle. Où puis-je la joindre ? Faudra acheter une pelle avant d'aller la voir. Elle est morte depuis 10 ans. Ou alors vous appelez mon père à Fort Lauderdale. Sur quoi portent vos études ? La criminalité. Ah, oh, c'est intéressant. Eh bien, désolé de ne pouvoir vous être plus utile, mais je suis pas un criminel. Non ? Non ? Non, je suis un aventurier. Vous êtes-vous aventuré il y a 2 jours du côté de Baltimore ? La couleur des cheveux. On vous a fait du mal et vous, vous avez gardé cette histoire de couleur en mémoire, c'est ça ? Dites-moi comment il était blanc ? Châtain. Il était brun. Oh ? Parce que j'ai des perruques ou un peu de teinture. On pourrait faire une reconstitution, non ? Il est innocent. Il est coupable de plein de choses, mais pas de cette affaire-là. Au revoir, merci. Alors ? Merci d'être allé voir Mitch. Vous avez vu Statner ? Il est comme moi ? Il a des alibis ? Il a des alibis auxquels je crois plus ou moins. Il s'est teint en blanc, cela dit, il est exactement comme vous.
des triplés. Et il vous a parlé de sa mère? Est-ce qu'elle est aussi allée à la clinique Aventine? Elle y est allée? Vous rappelez-vous en quelle année? Oui, je vois. Eh bien, merci, colonel Statner. Au revoir. En effet, sa mère y est allée, elle aussi. Oh, mais comment le prouver si je n'ai pas ces fichus dossiers? Ok, sur gazon, championne de tennis, athlétisme. Une sacrée sportive. Ça m'a permis de faire mes études. J'ai eu droit à des prix et à des bourses. Études scientifiques à Westinghouse. Oui, je sais. Moi, je fais toujours les choses à fond. Si vous arrivez à prouver cette histoire de mauvais gènes, alors vous allez carrément faire exploser la loi. Certains malins vont plaider non coupables au nom de la biologie. C'est pas parce que vous aurez ce gène que vous aurez un comportement d'assassin. Pourquoi ça? Ça ne sera pas forcément le caractère dominant. Ah oui, expliquez-moi ce qui est la dominance et la récession. La récessivité. La récessivité. C'est la façon dont les gènes, dits gènes opposés, vont déterminer le caractère final. Quand les allèles se rassemblent, ils communiquent en envoyant des signaux chimiques qui... Quoi? Non, rien. Quoi? Non, vous êtes vraiment magnifique. Hein? C'est ce que je me suis dit la première fois que je vous ai vu. C'était... Et le lendemain, quand je vous ai revu, je pouvais pas croire que c'était vous. Et là, vous me parlez de cette histoire de jumeaux. Évidemment, je trouve ça vraiment incroyable. Mais en même temps, je me dis, c'est fantastique d'être là et je me sens si bien à côté de vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez-vous-en. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas qui vous êtes. Jenny, je vous ai rien fait du tout. C'est Wayne Statner qui vous a agressé. Il est blond, je vous signale. Et alors, je peux me teindre moi aussi? Et pourquoi m'aurait-il agressé? Et moi, pourquoi je l'aurais fait, hein? Je n'en ai aucune idée. Je voudrais que... Je vous en prie, allez-vous-en, je suis désolée. Vous savez, je partirais pas si j'étais un violeur. Un violeur, il vous attraperait à la gorge, il vous foutrait par terre et vous mettrait une main sur la bouche pour vous empêcher de... Vous faites quoi, là? Bien débattu dans la voiture, Jenny. Qui est-ce? Tu crois qu'on ira jusqu'au bout la prochaine fois? Mais j'aime pas partager. Alors dès que je me serai débarrassé de ton petit ami, je t'arracherai ton joli petit t-shirt. Et je te jure qu'on s'amusera, petite salope. On va bien s'amuser avant que tu crèves. Qu'est-ce que tu fais ici? Fiche le camp immédiatement! Ah! Faut pas t'inquiéter, je ferai très attention. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire, faire attention! Rends-moi les clés!
Hé, hey, rends-moi les clés, vieil idiot. C'est pas vrai. Génial. Je suis contente de ce qu'ils m'ont fait dans cette clinique. Je ne parle pas des expériences réalisées sans ma permission. Ça, ça me ferait plutôt bouillir. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, je ne t'aurais jamais eu. Et moi, je suis qui ? Tu es mon fils chéri. Oui, et je ne vous ressemble pas du tout. Je suis le produit de deux autres personnes étrangères à vous. Tu es toujours mon garçon. C'est moi qui t'ai élevé. Et je t'ai appris aussi à marcher, à courir, à t'amuser avec les autres. Je t'ai vu te diriger vers l'enfer, puis réussir à t'en sortir seul. Oh oui, je te connais, je suis fière de toi, je t'aime, et c'est ça qui fait de toi mon fils chéri. Et tu aimerais un violeur ? Steve, tu n'es pas un violeur. Mon jumeau en est un, et l'autre c'est un meurtrier. Nous avons le même ADN et la même nature, je suis vraiment comme eux. Non. Non, toi, tu as été élevé de façon bien différente. Écoute, maman, tu peux toujours dresser un animal sauvage, mais jamais t'arriveras à changer sa nature profonde. Est-ce que c'est toi et papa qui m'avez fait devenir comme ça, ou est-ce que c'est génético ? Mon garçon, tu as de la visite. Maman, je te présente Jennifer Amy. Enchantée, docteur. Enchantée, madame. Je viens d'avoir un coup de fil, une menace de mort. Votre jumeau que j'ai vu à Baltimore. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'en est pris aussi à vous. Mais... ça ne peut être que Pinker. Il aurait appelé de la prison ? C'est quelqu'un qui nous a surveillés, sinon comment saurait-il que vous existez ? C'est Wayne Statner, alors. Il a un alibi pour le viol de Lisa. Pourquoi se mettrait-il en danger ? Il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes quatre. Vous voulez dire des quadruplés ? Je crois que cette expérience ne concernait pas la fécondation, mais la duplication. Le clonage. Mais c'est impossible. Cela remonte à 27 ans. À l'époque, cette technique n'existait pas encore. Telle qu'elle existe aujourd'hui, mais ces personnes ont cloné différentes formes de vie depuis des décennies. Ils ne se sont pas attaqués à une cellule comme pour Dolly ou encore ce petit singe qu'on appelle Rhesus. Ils ont imité la nature et se sont mis à cloner de vrais jumeaux. Pourquoi diable voulait-il que... Parce que dans les années 60, la plupart des gens disaient que les Russes voulaient produire des hommes parfaits, des athlètes, des champions, des soldats. Et qu'on devait faire la même chose. Peut-être que Genetico a en fait servi de couverture à un projet militaire. Alors cet homme, le quatrième clone, c'est lui le violeur. Si nous le trouvons, Steve sera innocenté. Mais comment le trouver ? Genetico a fait des expériences sur des femmes de soldats. Donc les bébés sont venus au monde dans les hôpitaux militaires. Et l'armée doit avoir des dossiers. Si ces dossiers médicaux existent et sont actuellement sur ordinateur, je n'aurai qu'à les étudier en m'aidant de mon programme de recherche. Vous voulez vous introduire au Pentagone ? C'est là que les fichiers sont gardés. Mais vous n'avez pas l'autorisation d'y entrer. Vous l'avez. Et ils doivent connaître Steve, ils pourraient charger le programme. Si on se fait prendre, ma carrière est terminée et j'irai en prison. Qu'allez-vous faire ? Aider mon fils. Ça va de soi. Je l'ai transmis immédiatement au capitaine, comme vous m'avez demandé. Parfait. J'ai jamais réussi à m'y retrouver là-dedans. Écoute, il y a 5 secteurs et 10 allées principales. Si tu veux sortir, tu trouves une allée et tu la suis tout droit jusqu'à la sortie. Ou alors, tu restes avec moi. Papa ? Merci. Oui, Logan et son fils, ils viennent juste d'entrer. Jim, il faut appeler quelqu'un, peut-être Sviger. Mais je veux savoir ce qu'ils sont venus faire là-dedans, ne discute pas. C'est par là. Colonel Logan, lieutenant Gamble, votre terminal est ici.
Merci, j'aimerais avoir accès à des rapports médicaux sur des bébés nés il y a 27 ans dans les hôpitaux militaires. Impossible, ces rapports sont à Saint-Louis et vous devez avoir un accès prioritaire pour pouvoir utiliser ces données. Or, vous n'avez pas d'accès prioritaire. Le général Croner vous a sûrement demandé de m'aider par tous les moyens. Oui, colonel. Je sais qu'il m'accorderait immédiatement ce genre d'accès. Et je pense que vous le savez vous aussi. Alors nous avons le choix, soit vous accédez à ma requête, soit nous appelons le général Croner un samedi soir à 19h30. J'ai fait 3 fausses couches. À chaque fois, ça a été l'horreur. Je crois que je ne le souhaiterais pas à ma pire ennemie. Je suis désolée. Je m'étais renseignée à propos des expériences in vitro. Mais s'ils voulaient 4 clones, ils ont dû créer combien ? 24 embryons, non ? Plus. En les manipulant, certains d'entre eux sont morts. Les autres ont évidemment été introduits dans des femmes comme moi, qui étaient venues à cette clinique pleines d'espoir. Il y a eu beaucoup de fausses couches. Nous avons vécu un enfer. Barrington Jones et tous ses sbires, ça leur était égal. Ils nous ont violés, et ça leur était égal. Je fais une copie des résultats? Oui, imprimez-les aussi, s'il vous plaît. Cet écran me fatigue vraiment les yeux. Ok. Sur cette disquette, il y a les résultats. Et sur celle-là, c'est votre programme. L'imprimante se trouve là, numéro 4, juste à côté. Merci. Allez, vite, on s'en va. Attends, moi je vais savoir. Ces noms correspondent. 8 personnes. Caractéristiques communes. Les électrocardiogrammes. Mais à quoi ont-ils joué? J'en reviens. Weiger nous a rappelé pour nous dire qu'il n'était absolument pas question de procéder à ce genre d'investigation. J'ai pas le temps, je suis désolé. Excusez-moi d'insister, le général vient d'arrêter votre père. Mais mon père se débrouillera très bien tout seul, lieutenant. Excusez-moi, il est hors de question que je vous laisse sortir. Écoutez, je n'ai rien fait de mal, vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Et si vous faites ça, ce sera tout à fait illégal. Je vous promets que je vous attaquerai en justice. Et du coup, vous serez viré d'ici. Faites quelque chose! Arrêtez immédiatement ou je tire! Non, vous ne tirez pas. Gumball, je dois parler au général Swiger, et tout de suite! Où est ton père?
Non, n'allez pas si vite. Il faut arrêter cette voiture. Attention. Maman, accroche-toi. Ne tirez pas, ne tirez pas. Oui, général. Nous les avons laissés passer. Les ordres de Swagger. Le général va lui-même s'occuper de cette affaire. C'est juste là, Jenny. On y est. Stop. Ça m'ennuie de vous laisser toute seule. Steve, après ce qu'on a fait, je crois qu'il vaut mieux tout de même qu'on se sépare. Dave Joanger est l'un des seuls hommes de cet état en qui on peut avoir confiance. C'est notre avocat et c'est aussi un ami fidèle. Et pour papa, on fait quoi ? T'inquiète pas pour ton père. Il est habitué à ruser avec les généraux depuis plus de 20 ans. Il est probablement déjà rentré à la maison. C'est ce Barrington Jones qui a du souci à se faire. Je vais appeler mes éditeurs. Non, non, pas encore, Lorraine. Je vous téléphonerai bientôt. Faites attention à vous. Fais attention, mon chéri. Oui, vous aussi. Trois Henry Irving King et 17 Henry E. King dans l'annuaire des téléphones. Oui, mais c'est pour tous les États-Unis. Il est né à Fort Devens. Recherche les numéros dans le Massachusetts. D'accord, il y est né, mais ça ne veut pas dire qu'il y vit toujours. Essaie, je te dis. Un Henry Irving à Amherst et 4 Henry E. à Boston. D'accord, alors on les appelle. Toi, tu attaques par le haut et moi, je commence par le bas. On est samedi soir et il est 22h30. Ça ne peut pas attendre. Oh, s'il te plaît. Tu racontes une histoire, tu dis « Je veux retrouver des copains de l'armée afin d'enquêter sur un tueur en série. » D'accord, t'inventes ce que tu peux. Oh, génial. 9, 8, 8, 3, 5, 2, 2, 3, 5, voilà. Oui, puis-je parler à Monsieur Henry King ? Monsieur King, je vous appelle afin de confirmer votre admission demain à l'hôpital général. Non. Monsieur King, afin de... Vous êtes Henry Irving King. Dire ce que vous faisiez dimanche dernier aux environs de 15h30. Vous pouvez le prouver? D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. C'est pas vrai. C'était lui? On aurait dit que c'était Steve, ou Pinker, ou Statner. Sa date de naissance est presque la même aussi. Il a un alibi. Il a dit qu'il travaillait ce jour-là et il peut le prouver. Bien, au suivant. Oui, je sais qu'il est tard, mais... Veuillez m'excuser. Nous voulons réunir toute la classe, tous les élèves, et c'est pour ça que j'essaie de contacter Georges. Il est allé dans cette école ? Oui, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer... Quelle année ? Vous avez gagné beaucoup d'argent. C'est une sorte de loterie. Oui, madame, je sais qu'il est tard, mais c'est et vraiment très important. Vous faire parvenir votre cadeau. Madame, c'est vraiment important. Nous devons contacter... Deux petites questions, s'il vous plaît, et ensuite, ne raccrochez pas. Attendez, juste deux petites questions. Vous ne connaissez pas son adresse ? Répondeur. Il ne vous a rien dit à ce sujet. Oui, c'est affreux. Oh non, non, c'est moi qui suis désolée. Je ne voulais pas remuer de tels souvenirs. Oui, c'est ça, vous aussi. Au revoir. C'était la mère de Per Erickson. Il s'est tué il y a 2 ans en essayant de se qualifier aux Jeux Olympiques d'hiver. Ce type-là faisait apparemment du ski, genre ski acrobatique. Oh, tu as trouvé Murray Cloud ? Non, son père. Murray est à Athènes, condamné à la prison à vie pour meurtre. C'est pas vrai, ça. Et en plus, le dernier qui est sur la liste s'appelle Jones. Né à Bethesda, c'est ça ? Maryland. Et c'est Baltimore, là où j'ai été agressée. Entendu. Il y en a 16. Bonjour la galère. Encore un répondeur.
quelle heure il est maintenant? Quoi? C'est lui. Tu en es sûre? Oui. Oui, absolument certaine. À travers sa voix, j'ai deviné son espèce de rictus. Inspecteur Mitch de la Ware, je vous prie. C'est extrêmement urgent. Eh bien, branchez-moi sur son répondeur. Mitch, c'est Jennifer Amy, on a trouvé le violeur. Il s'appelle Harvey Jones, il habite sur Trenton Avenue à Baltimore. Contactez la police de Baltimore dès que vous pourrez. Rappelez-moi. Je crois qu'on n'a plus qu'à attendre maintenant. Non. Mais où tu vas ? Je peux vous aider? Non. Il n'y a personne? Vous avez frappé? Comment est-il? Comment il est? Joli garçon. Mais c'est un monstre aussi. Mais pas avec moi, je ne l'intéresse pas. C'est bien triste d'ailleurs. Oh, cela dit, je déteste la brutalité. Toutes les filles qui entrent chez lui en ressortent en pleurant. Je pense qu'il a violé mon ami. Dieu, quelle horreur. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Vous l'avez dit à la police ? Ce n'est pas si simple. Si seulement je pouvais arriver à entrer et à jeter un coup d'œil. Oh, vous allez trop souvent au cinéma. Vous avez déjà vu quelqu'un réussir à crocheter ces espèces de serrures. Vous avez de la chance, le concierge est un ami. Oh mon Dieu, une brute doublée d'un porc. Le malheur. La douleur. Face contre terre. Le marquis de Sade, les 120 jours de Sodome. Un grand classique. Qu'avez-vous trouvé ? Inspecteur Mitch de la Ware, je vous prie. Non, j'ai déjà laissé 3 messages. Savez-vous quand il va rentrer ? Je suis désolé, il s'en va presque tous les week-ends. Encore un de ses étudiants sans souci. Sa famille a vraiment plein d'argent. Peut-être qu'il est même chez ses parents alors qu'il est en train de faire laver son linge. Où a-t-il violé votre ami ? À Philadelphie. Vous connaissez des Jones à Philadelphie ? Oui, je comprends. En tant que représentant de l'Atlantic Faune Company, je vous remercie de votre coopération et excusez-moi pour le dérangement. Eh bien, elle a contacté la mère de Per Erickson, le père de Murray Claude et Henry King. Apparemment, elle ne leur a rien dit. Elle a juste demandé des dates de naissance, etc. Mais je crois réellement
qu'elle a repéré la plupart des garçons, sinon la totalité. Merde. Et la conférence de presse a lieu demain matin. On est cuit. Non, pas encore, mais il faut qu'on arrive à connaître ses intentions. Ah, bonne idée. Et comment vas-tu t'y prendre? Tu vas lui poser la question? Non, pas moi. Oncle Preston, oncle Jim, papa, tu voulais me parler? Ta maman n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et à cette époque, Preston travaillait sur la fécondation in vitro. Oui, je sais, je suis un bébé éprouvette, Ferrami me l'a dit. Et puis j'ai trouvé le moyen de diviser l'embryon, non pas une fois, mais plusieurs fois de suite. Et je te demande de ne répéter cela à personne, pas même à ta mère. Ma mère n'en sait rien? Ah, eh bien, il fallait trouver des mères porteuses, et ta mère et moi désirions vraiment un enfant. Alors, mes vrais parents, c'est qui? Nous, mon garçon. Ta mère et moi t'avons élevé, et nous t'avons aimé dès le moment où tu es né. Nous t'aimons, malgré le chemin que tu as pris. Et dont tu n'es pas sorti. Oui, je le sais, papa, je vous aime, moi aussi. Mais alors, d'où est-ce que je viens, moi? Eh bien, l'œuf provenait d'une secrétaire de West Point. Fille intelligente, jolie, attirante. Le donneur de sperme était un lieutenant de Fort Bragg, et je peux t'affirmer que tu lui ressembles. J'aimerais les voir. Ah non, c'est impossible ça, tu sais. J'ignore où est cette femme et le lieutenant est mort peu après notre expérience. Comment? Il était devenu extrêmement violent. Tué dans une bagarre. Écoute Harvey, c'était une affaire militaire, c'était top secret. Mais maintenant, Jennifer Amy est au courant et si cette affaire est rendue publique, tout sera terminé pour moi. Pour Preston et pour Jim. Et tu iras en prison. Tu as violé son assistante. Alors, il faut que nous sachions ce que Ferrami va faire de ces informations. Puisque Steve Logan et toi êtes absolument identiques. Ouais, je vois. Nous devons connaître ses intentions. Et ne fais rien d'autre, promets-le-moi. Je ferai tout ce que tu diras. C'est toi qui tiens le volant. Bonjour, jeune homme. J'ai de beaux radis, regardez donc ça. Oui, formidable. Steve, mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous voir. Ne restons pas là. Allez, venez. J'ai laissé une demi-douzaine de messages à Mich. Heureusement, elle va bientôt rappeler. Je suis allée à Baltimore. Ah oui? Pourquoi? L'un de vos clones vit là-bas. Il s'appelle Harvey Jones. Lisa et moi avons reconnu sa voix sur le répondeur. J'y suis allée et je suis entrée dans son appartement. Et c'est lui le violeur. Et vous savez la meilleure? Ce n'est pas tout. C'est le fils de Barrington. Barry a élevé lui-même l'un des clones. Je vous laisse deviner ce que ça va donner quand la presse sera au courant. Vous et Mich allez me dire que je suis folle d'avoir pris tant de risques, mais je devais savoir. Oui, de toute façon, vous devez faire ce que vous avez à faire. Lisa ne va pas tarder. Et... alors ça va être génial. Et votre père s'en est sorti? Au Pentagone? Ça s'est arrangé? Ouais, ça s'est arrangé. Vous savez, lui, il s'en sort toujours de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Je crois que si on veut être tranquille, on ferait mieux d'aller à l'hôtel. Je vais prendre des affaires dans ma chambre. Ah!
Monsieur Oliver ? Comment allez-vous ? Monsieur Oliver ! Ginny ! Mademoiselle Ferrami ! Vous êtes sûr que c'était le bon ? Ginny ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Celui-ci, c'est Steve Logan, et celui-là, Harvey Jones, le fils de Barry. Le fils de Barry ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Oui ? Je peux l'attacher ? Je vous en prie. D'accord. D'accord. Eh, salut, mignonne. T'en veux une petite dose ? Salaud ! Tu dois savoir faire mieux que ça. Allez, vas-y, cogne, petite salope. Oui, je sais faire mieux que ça. Vous auriez quelque chose à enfoncer dans la bouche de cette ordure ? Ah, mais bien sûr, madame. Oui. Bien sûr. D'accord, oncle Jimmy. Son père désire le voir. Il veut savoir exactement ce que vous savez. Ils ont apparemment peur que vous sabotiez la conférence de presse de demain. Tiens donc. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Harvey, combien de fois faudra-t-il que je te le demande ? Veux-tu, s'il te plaît, ranger ce tas de ferraille au garage afin que je ne le voie pas ? Je ressors tout à l'heure. Non, pas question. Je veux te surveiller cette nuit. Nous avons bien assez de problèmes pour l'instant. Preston et Jim t'attendent dans la salle à manger. J'ai dit la salle à manger. J'ai le droit d'aller aux chiottes avant, non ? Mon Dieu. Je me débrouillerai comme d'habitude. Enfin... Ah, tu es là.
Ah, t'en as mis du temps. C'est une jolie fille, hein. Qu'as-tu découvert? Elle a les noms et les adresses et les numéros de téléphone de tous les clones. Oh non, de Dieu! Mais elle ne se servira de tout ça que pour récupérer sa place. Elle veut attaquer l'université pour licenciement abusif et jeudi prochain, elle a rendez-vous avec un avocat. Et elle a parlé de toi? Elle doit savoir que tu as violé son ami, elle veut innocenter Logan. Elle a contacté la police? Oui, mais ils veulent pas lui répondre parce qu'ils pensent qu'elle est dingue. On s'est inquiété pour rien. Bon travail, Harvey. Un verre d'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît? Moi, je vais me chercher une aspirine. Quelqu'un en veut? Non. Rien. Tu te rappelles la fois où je t'ai emmené à l'hôtel Plaza pour le déjeuner? Tu devais avoir 10 ans. Le Plaza? Oui, je me souviens que t'as commandé des coquilles Saint-Jacques, puis tu as tout vomi sur la table. Ah, ça, jamais j'oublierai. Difficile d'oublier ça. Marianne, servez-moi un scotch, s'il vous plaît. Il est meilleur celui qui est dans le tiroir en bas à droite. Regardez ça. Harvey. Marianne, préparez-nous tous un scotch. Nous allons fêter nos 180 millions de dollars. Tu as ton portable? Ouais, madame. Moi, j'ai les téléphones. On peut réserver leur billet avec ma carte de crédit. Merde. Encore heureux que t'aies des tranquillisants. Oui, on a droit à ce genre de petits cadeaux quand on a été violé. Laisse, je suis de mauvaise humeur. Et voilà, Harvey. Si les jolies petites gélules sont dissoutes et si j'ai pas fait d'erreur de dosage, tu ne devrais pas nous faire de crise cardiaque. Ah, tu sais, la seule chose qui me plaise vraiment chez ces gens-là... Toi, ne me prends pas pour un idiot. T'es tombé amoureux de cette fille, n'est-ce pas? Bien sûr, voyons, sinon tu l'aurais liquidée comme je te l'avais dit. C'est-à-dire, ça aurait vraiment été dommage de faire un truc pareil, oncle Jim. Non, mais je voudrais bien avoir ton âge. Barry, je te présente toutes mes excuses. J'ai été idiot, j'ai dit des choses vraiment... La semaine a été difficile. Faut que tu viennes à la conférence de presse demain, Harvey. Vous croyez que ce serait une bonne chose? La photo de Steve Logan est passée sur toutes les chaînes à cause de cette affaire de viol. Toute la presse va être là demain. Moi, je crois que ce serait pas très mal. Oh non, tu te cacheras dans le salon réservé aux personnalités. Quand ce sera terminé, je te garantis que nous ferons la fête. Allez, va donc dormir à présent. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Harvey. Et oui, comme je le disais, j'aime avant tout ces Allemands pour leur précision. C'est leur marque de fabrique. Harvey, laisse-la tranquille ce soir, veux-tu?
Par où tu vas aller, Jenny? On monte, viens. Oh. Témoin de mariage, la fête a été longue. Oh, excusez-nous. Et maintenant, on va où? Viens, on va essayer cette pièce-là. Appuie-le contre le mur. Oh, c'est pas vrai. Grouille-toi. Ton père t'a fait cadeau de ce truc? Non, il l'a seulement laissé chez moi. Mais il ne m'a pas interdit d'y toucher. Oh, Jenny, dépêche-toi. C'est libre, allons-y. Bien vu. Non, c'est logique. Personne ne veut dormir en face d'un distributeur de glaçons. Ce soir, ne brutalisez pas. S'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais ne brutalisez pas. Marianne, arrêtez. Ça va, c'est moi qui le veux. Marianne, non, arrêtez. Vous dites 20 minutes, mais ça veut dire 3 heures. Bon, merci. Le vol est retardé. Arrivé à 9h30. C'est la meilleure. Ça te donne quand même le temps d'être là à 10 heures pour la conférence. Qui est dans l'avion? Ça, ils ne le savent pas. L'ordinateur est en rade. Comment veux-tu que je revienne de l'aéroport en une demi-heure? Faudra que je grille tous les feux. Eh ben c'est ça, grille tous les feux. D'accord. Non, non, excuse-moi. Non, c'est ma faute. Je suis désolée. Je suis de mauvais poil et je suis fatiguée. C'est pas vrai. Personne ne pourra t'entendre ici. Tu devrais lui refaire une piqûre. J'ai utilisé toutes les gélules. Aide-moi. Allons-y. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2. Et voilà. Ça y est. Bon, bah faut que j'y aille. À tout à l'heure et bonne chance. Toi aussi. Inspecteur Mitch de la Oise. Ah, te voilà enfin. Marianne, veuillez le servir le plus vite possible. Oui. Ah, bonjour Chuck. Bon. Oui. Ah non, 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 pas question d'exclusivité. Non. Eh bien, pas encore, non. Mais ça, vous devez le demander à Landsman, ce sont ces gens-là qui... Oui, très heureux. Plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. Écoutez, je suis vraiment très pressé. Si vous comptez venir, amenez un photographe et prenez beaucoup de photos. D'accord. Comment peux-tu boire cette chose infernale tous les matins? Rien qu'à te regarder, moi, ça me rend malade. Faut y aller, ça va être l'heure. On a un paquet de dollars à ramasser. Professeur Jones! Professeur Jones, Karen Beamish, Total Media, quel plaisir Mais de vous rencontrer. Mais tout le plaisir est pour moi, Karen. Voici mon fils, Harvey. Oh, bonjour, monsieur. Vous devez vraiment être fier de votre père. Très fier. On a envoyé Madame Beamish pour organiser la conférence. Est-ce que tout est prêt? Nous n'avons plus qu'à attendre que l'horloge sonne 10h. Venez, je vous conduis au salon des VIP en attendant les rencontres à faire. Eh bien, Michael, nous allons récolter les fruits de 30 années de labeur. Tout ça grâce à vous. Bravo. Où vas-tu, mon garçon? Je descends juste aux boutiques.
acheter des chewing-gums. Harvey, tenez. Je vous retiendrai ça sur vos 180 millions. C'est sur sa part qu'il faudra les retenir. C'est le moment. Nous devons y aller. À nous de jouer, chers amis. En route. Eh bien, dans une heure, tout sera terminé. Je n'aurais jamais pu faire ça sans toi. Je t'aime, mon garçon. Moi aussi, je t'aime, papa. Me voilà finalement revenu là où je me plais. Ouais. Et où est-ce que c'est ? Quoi ? Là où je me plais. Nous t'écoutons, Harvey. Dis à ton père où il est maître. Eh bien, qu'attends-tu ? Où ai-je toujours aimé être ? Là-haut, au sommet. Attrapez-le ! Ici ! Et maintenant, qui es-tu ? Steve Logan ? Où est mon fils ? Où est Harvey ? Il va aller en tôle comme vous. Comme vous reste là ! Et non, ça va pas ! Rangez-moi ça ! Il y a une salle remplie de personnalités là-dedans, et la presse qui nous attend. Oh mon Dieu. Jennifer Amy, elle veut boycotter la conférence, c'est ça? Vous avez utilisé ces femmes et vous leur avez menti. Elles sont venues pour avoir des bébés, on leur a donné des bébés. Elles voulaient leur propre bébé, pas des monstres. Tu n'es pas un monstre, Steve. J'ai toujours suivi ta vie, comme j'ai suivi celle des autres. Je sais que tu as traversé l'enfer après t'être battu avec ce garçon, mais tu as su t'en sortir. Et Dieu sait si j'ai été fier de toi quand j'ai su que tu allais faire du droit. Non, Steve, tu es un type bien. Et ça, en fait, c'est à nous que tu le dois. Si on n'avait pas été là, tu n'existerais même pas. Me voilà! Est-ce que ça va, messieurs? Nous arrivons tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas commencer la conférence, Jim. Et moi, je vais trouver Harvey et Jenny. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Merci, professeur Bark, sénateur Proust. Le professeur Jones va bientôt nous rejoindre. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer officiellement la fusion de Genetico et de Lanzmann Pharmaceutique. Comme nous le savons tous, ce genre de fusion passe parfois par des étapes particulièrement difficiles et douloureuses. Cette fois, il n'en est rien. J'aimerais remercier ces messieurs pour leur coopération efficace et leur inspiration. Genetico a ouvert le champ de la recherche génétique en perfectionnant le système de... Je peux vous aider ? Oui, vous pouvez me dire où se trouvent les toilettes ? Oh, les toilettes, tout au fond du couloir sur votre gauche. Merci beaucoup. De rien. Sagesse et d'expérience, et une solide réputation d'innovation et d'intégrité. De l'autre côté, nous avons Lanzmann, une société relativement jeune dont le succès rapide peut être attribué à ce que j'appellerais un mordant plein de jeunesse. Et... Papa ! Papa ! Ah, oh, Dieu merci, tu es là. Elles veulent boycotter la conférence. Oui, je sais, Steve Logan est attaché dans le salon des VIP. Toi, fiche le camp d'ici, je dois trouver Ferrami. S'il vous plaît, mettez-moi un rapport avec la police, c'est extrêmement urgent. Monsieur Logan ? Steve Logan ? Où est le docteur Ferrami ? Inspecteur ! Dieu merci, vous êtes là. Harvey Jones a agressé Ferrami. Nous nous sommes battus, il m'a assommé. Quand je suis revenu à moi, il n'y avait personne. Je sais pas où ils sont. Ils vont pas rester longtemps dans les parages. Allez voir dans le parking, ils sont peut-être pas partis. Je peux faire quelque chose ? Est-ce que je peux aider ? Dites-le. Restez ici. Si vous voyez quoi que ce soit, alertez la sécurité. Je vais appeler pour demander des renforts. C'est ça. Et comme nous entrons dans cette merveilleuse ère de la biotechnologie, comme nous apprenons non seulement à travailler sur le génome humain, mais aussi à restructurer... Allez en haut des escaliers, je veux être sûr qu'elle reste dehors. Nous n'aurons bientôt plus besoin de donneurs d'organes, car nous serons capables de fournir un nouveau cœur ou un nouveau foie grâce aux cellules clonées et issues du patient lui-même. Mais je crois que ça y est cette fois. Mesdames et messieurs, voici le professeur Farrington Jones. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour.
Contente les félicitations. Jim. Merci. Merci, mes amis. Chers collègues, chers rivaux, hier, l'un de mes amis m'a demandé si j'étais triste de laisser partir mon bébé après ses 30 années. En fait, c'est un peu comme donner sa fille en mariage. Et j'ai dit triste. Quand un bébé de 30 ans vous offre ce genre de cadeau, va, mon fils, Dieu te bénisse. Jenny, elle était bonne dans sa caisse quand je me la suis faite à Baltimore. Et toi, t'es qu'un malade. Steve, faut pas me parler comme ça. Oui, on est de la même famille, on est des frères, même parents, même gènes et même instinct. Tu es comme moi. Et en fait, tu pourrais être moi. Je vais me la refaire, Steve. Et je serai jamais comme toi. Comme dit le vieil adage, rien ne s'acquiert seul. Et mon succès, le succès de Genetico, est également dû au talent de mes deux associés, le sénateur Jim Proust et le professeur Preston Bark. Je vous en prie, messieurs, veuillez vous lever. Ceci est peut-être la fin de Genetico, mais c'est le début. Vous avez divisé 8 fois un œuf. Une nouvelle ère pour la génétique et... Ou vous n'avez divisé qu'une fois un œuf, puis chaque œuf résultant par la suite. Sortez, sinon j'appelle tout de suite. Comment avez-vous fait pour qu'ils vivent? Super nutrition, arrêt des fonctions vitales. Dites-moi, comment avez-vous fait? Berry, qui est cette jeune femme et que veut-elle? C'est une ex-employée mécontente de son sort. Cette fois, ça suffit. Vous savez, moi j'en connais seulement 8, mais il y en a peut-être d'autres. Combien en avez-vous fait, Berry? Combien y en a-t-il encore qui se promènent dans la nature et qui sont identiques à Steve Logan, à Dennis Pinker ou à Harvey Jones? J'espère que vous pardonnerez cette intrusion. Cette jeune femme s'appelle Jennifer Amy. Elle travaillait au laboratoire de recherche de l'université Revers et a été mise à la porte pour comportement immoral. Vous avez sûrement lu l'article de l'Examineur. Vous savez ce qui est le plus incroyable? C'est que vous ne comprenez rien du tout. Vous vous dites que vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait des expériences sur 8 femmes. Vous vous êtes servi de ces femmes. Peut-être pourrions-nous reporter cette discussion. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont habitués à ce genre de situation. Je suis moi-même souvent confronté à des gens qui deviennent hystériques face aux découvertes de la génétique. Les bio-nazis, c'est bien comme ça qu'ils nous appellent. Non, ce n'est pas votre science qui est criminelle, c'est votre arrogance. Vous pensez pouvoir faire subir tout ce que vous voulez à n'importe quelle personne sous le couvert de la recherche. Mais la fin ne justifie pas les moyens, et ça vous le savez parfaitement. C'est pour ça que cette affaire est restée secrète. Le monde entier a déjà été effrayé d'apprendre qu'on avait cloné une brebis. Alors qu'est-ce que ça donnerait si on savait que vous avez également cloné des êtres humains? C'est une hystérie, veuillez la faire sortir, je vous. Vous êtes peut-être l'extraordinaire porte-parole de la génétique, mais vous êtes aussi responsable de nos actions. Faites-la sortir, je vous prie. Vous avez lâché toute une bande de criminels au sein de la société. Dennis Pinker est un meurtrier ainsi que Murray Cloud. Wayne Stater est un sadique. Et Harvey Jones, qui est votre propre fils, est un sale violeur. C'est un
C'est faux. C'est un miracle, comme tous les autres. Regardez! Regardez! Ces hommes sont des clones! Regardez leur visage! Lisa! Où est Harvey? Où est Steve? J'en sais rien, moi! Regardez, en voici un autre! Et celui-là, c'est Wayne Starkner! Mesdames et messieurs! Mesdames et messieurs, je vous en prie! Cette femme, c'est un véritable spectacle! Et veuillez la faire sortir! La sécurité, s'il vous plaît! Et veuillez aussi faire sortir tous ces hommes! Lâchez cette femme! C'est pas vrai! Mais ça devient vraiment dingue! Écoutez, en fait, tout cela est très simple. Et je vais vous expliquer. Michael, je vous assure que tout cela est extrêmement simple. Michael, je vais vous expliquer. Étiez-vous réellement au courant de ces expériences, professeur? Professeur! Le saviez-vous vraiment? Cela a duré depuis combien de temps? Professeur, qu'avez-vous à répondre aux accusations du docteur Ferrami? La conférence de presse est finie. Parlez-vous! Professeur Jones! Arrêtez-le! Ne le laissez pas s'en aller! Ne le laissez pas s'en aller! Harvey Jones, je vous arrête pour viol et pour incendie volontaire. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant une cour de justice. Peu importe ce qu'ils disent, on est tous pareils. Allez, venez. On est tous les mêmes. Non, Ginny, on n'est pas tous pareils. Moi, j'ai eu le choix de devenir ce que je suis, et eux, ils ont eu le choix de devenir ce qu'ils sont. Je ne serai jamais comme eux.